À ce jour, il faut dire que le dossier a considérablement avancé. Nous avons rempli les obligations d'ordre juridique. Donc nous avons aujourd'hui tous les textes qui nous permettent d'établir la carte d'identité. Nous avons rempli également une partie des obligations logistiques. À l'échelle du pays, ce sont 45 sites que nous avons retenus. Et il y a quelques semaines encore, je me trouvais dans certaines provinces pour voir un peu l'état d'avancement des travaux d'établissement de ces sites. Donc de ce point de vue aussi, nous avons de grosses avancées, même s'il est à noter que d'autres sites sont encore en cours d'aménagement. Et cela va dépendre bien évidemment du budget de l'État, parce qu'au titre du budget 2024, nous avons une inscription qui nous permet de prendre en charge cela. Avancement également au niveau purement technique, parce que nous ambitionnons d'avoir une carte nationale d'identité électronique. Ça veut dire qu'il renforme une puce avec un certain nombre d'informations utiles. Et là, il y a toutes ces contraintes d'ordre informatique, d'ordre technique, pour lesquelles il fallait solliciter du chef de l'État un certain nombre d'instructions. Il faut également ajouter que dans ce que nous prévoyons faire, nous envisageons non seulement des sites fixes, mais également des sites mobiles qui vont aller vers les populations à mobilité réduite, vers les personnes du troisième âge, vers celles qui sont dans des hôpitaux pour permettre de les enrôler in situ. Voilà globalement le compte-rendu que nous avons fait au chef de l'État et qui nous a donné des très grandes instructions à l'effet de permettre que ce dossier puisse boucler dans les meilleurs délais possibles.